yo no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y poco me cae con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Quoi? Tu sais, si quelqu'un m'a appelé, a demandé après moi, non? Non, non, personne, non. Très bien. Non mais profite plutôt du fait que le patron n'a pas réalisé que tu n'étais pas là parce qu'il faisait un inventaire. Il était occupé. Alors va te changer rapidement. Oui, je dois me changer parce que ces jours-ci, je dois me faire beaucoup de pourboire. Je reviens. Vas-y. Non, 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 non. Attends un moment. Comment ça se fait que tu vas dormir dans la même maison que Macarena González? Tu es devenu complètement fou. C'est vrai, nous sommes dans la même maison, mais elle est dans une chambre et moi dans une autre. Aïe, mon frère, ce n'est pas sérieux. Qui est-ce que tu veux tromper? Tu ne te rappelles pas quand je prenais mes petites copines de l'université pour étudier? Et malgré toutes les mesures de sécurité de maman, on arrivait toujours à trouver un moyen. On y arrivait toujours. Premièrement, laisse-moi te dire, je ne suis pas comme toi. Et ensuite, nous n'avons plus 17 ans, Pedro, s'il te plaît. Voyons très bien, mais dis ça à mes hormones. Parce qu'elles ne t'ont pas entendu et à cause d'elles, je suis sur l'ordinateur à la recherche d'informations sur un Diego Marley. Sur qui? C'est un producteur. Ce n'est pas important. Mais toi, écoute-moi bien. Tu dois vraiment t'attacher au lit ce soir. Jusqu'au matin, tu me comprends? Attache-toi. Parce que plus tu vas t'impliquer, plus ce sera difficile de dire la vérité à Macarena. Et tu sais quoi? À demain, Pedro. Non, 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 non. Écoute-moi, Alejandro, s'il te plaît. Pour une fois, écoute ton grand frère. Tu dois aller immédiatement tout raconter au sujet de ton plan à Macarena González. Celui de te rendre à Houston. Et c'est la seule assurance vie que tu as pour ce soir. Alors écoute-moi. Ah, tu vas rester avec le docteur Alejandro? Ah, et pas avec lui, mais chez lui. Et je reste parce que je n'ai pas d'autre choix. Non, eh bien oui, c'est qu'ils vivent dans un endroit isolé, n'est-ce pas? Dans la montagne la plus éloignée, Macarena. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il vaut mieux y rester. C'est vrai, je ne peux pas. Et puis, ils ont tellement insisté. Et d'un autre côté, tu sais, ça ne me semble pas être une si mauvaise idée que Petit Poney souffre un peu au moins. Qu'il souffre un peu, qu'il souffre bien. Entre-temps, toi, passe une soirée merveilleuse avec ton petit docteur Macarena. Tu sais, j'imagine ce petit sourire que tu dois avoir, de savoir que tu vas passer la nuit sous le même toit que lui. Aïe, comment tu peux penser ça, Cécilia? Allez, mais tu sais quoi? Tu t'imagines que le docteur Alejandro a rompu avec le docteur Camila? Non! Ne crie pas, ne crie pas, tu vas me rendre sourde, Cécilia. C'est ce que je suis en train de te dire. Et en plus... Tu ne devineras pas ce qu'il m'a dit. Il a rompu avec elle parce que il ne pouvait pas s'arrêter de penser à moi. Non, Cécilia. Mais dis-moi, comment ça? Comment ça? Je veux dire qu'il l'a laissé pour toi? Oh non, Mona. Écoute, tu dois aller dès maintenant démasquer Petit Poney et cette stupide de Luz Elvira. Et ensuite, tu cours te réfugier dans les bras de ton amoureux. Mona? Mona, tu m'écoutes? Oui, Cécilia, mais ce n'est pas si facile. Mais pourquoi non? Parce que premièrement, je ne peux pas partir d'ici. Et deuxièmement, écoute, je veux faire souffrir Petit Poney, mais je ne veux pas non plus lui rendre la tâche facile. Ni le laisser seul ce soir avec Luz Elvira, alors j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, écoute-moi attentivement. J'ai besoin que tu dises à Petit Poney... Tu veux un récapitulatif de ce que nous avons fait? Si tu veux, Voilà, tu sais quoi? Je ne te rappellerai pas, mais je veux te dire quelque chose, Luz Elvira. Si nous deux, nous investissons cette énergie dans le travail et que nous rendons chaque petit centime de l'assurance vie à Macarena, crois-moi, tout ira bien. J'en suis vraiment convaincu, moi. Et je vais le faire, ça, jusqu'au dernier centime. Oh, comme c'est gentil! Eh bien, bonne chance avec tout ça, tu as bien entendu, mon Petit Poney? Bien! Et puis comment ça, c'est bien? Non, pas du tout. Nous sommes deux dans ce coup. Non. C'est une responsabilité partagée. Non, bien sûr que oui. Pour moi, tu dois me nettoyer tout ce désordre tout de suite, mon garçon. Parce que moi, je n'ai aucun... Leonardo, mon amour, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les draps? Quoi? Non, il n'y a personne, Dieu merci. Non, non, tu sais quoi? Je ne ressens aucune culpabilité à évacuer. Rien. Attends, arrêtons cette conversation ici. Non, mais est-ce que tu vas m'aider ou tu ne vas pas le faire? Est-ce qu'on le fait ou non? Non, je ne vais pas t'aider. Tu sais quoi? Je me sens déjà sanctifiée. Au revoir. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans un tel état? Sandra! Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est... Elle est partie. Qui? Qui ça pourrait être? Mon petit chocolat à moi. Ah non. Et c'est pour ça que tu es ainsi? Pour toi, c'est pas grand-chose. Eh bien... Mars, j'avais finalement trouvé la personne idéale avec qui je pouvais partager cette solitude. Et je l'ai perdue, pauvre imbécile. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, 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 non. C'était moi. C'est moi qui l'ai trahi. Je l'ai trahi comme Judas pour Jésus. Oh mon Dieu. Eh bien, ce n'est pas le plus joli des pyjamas, mais c'est confortable. Oui, c'est beaucoup plus confortable que ce que j'avais avant. Vraiment, je vous remercie. Bien, j'espère que cette chambre sera aussi confortable. Ah, et je suis vraiment désolée. Ici, c'est la chambre d'Alejandro. Et je suis en train de prendre sa chambre. Non, mais ça va. Il va dormir dans la chambre de Pedro parce que... Ce qui se passe, c'est que... Il y a un petit problème avec le matelas de son lit et je veux que vous soyez à l'aise. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie, de rien. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le-moi. Si vous voulez boire un peu d'eau ou même manger quelque chose, vous pouvez aller à la cuisine. En d'autres mots... Détendez-vous et faites comme chez vous. Je vous remercie. Très bien, demain. Oui, c'est ça, demain. Bonne nuit. Macarena va passer la nuit chez ce fils à papa, cette tête à claque. Ce n'est pas la maison du docteur, c'est la maison de ses parents. Ah oui, mais il serait là lui aussi si je ne me trompe. Eh bien, je ne sais pas. Oui. Eh bien, je ne suis pas sûre, petit poney. Et pourquoi est-ce qu'elle t'a appelé toi et pas moi? Parce que sûrement l'appel n'est pas passé sur ton téléphone à toi. Oui. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a appelé moi, parce qu'avec le mien, j'ai pu recevoir l'appel. Pour toi, ça va, pour moi, non. Oh, salut. Mais arrête, je t'en prie. Si. Salut. Et ça? C'est qu'un tuyau s'est cassé dans la pension et ils m'ont renvoyé. En fait, ils m'ont pas renvoyé, mais le monsieur m'a dit de revenir dans 2 jours jusqu'à ce qu'il répare tout ça. Ah, tu n'as pas de parents? Béni soit-il, tu peux rester ici, Cécilia, si tu veux. Vraiment, tu passeras la nuit ici, dans cette maison. Oui, oh, vraiment, c'est que... T'es sûre? Écoute, je voulais pas vous déranger, car c'est bien la dernière chose que je voudrais. Cette maison est remplie de monde, mais bon, où est-ce que je pourrais aller, n'est-ce pas? Luz Elvira, j'espère ne pas te déranger si je viens m'installer dans ta chambre. Par exemple, par exemple. Non, 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 ça me dérange pas. C'est que ces derniers temps, la grossesse me rend très difficile et je ne laisse personne dormir. Oui, non. Mais non. Mais écoute, tu sais, ne t'inquiète pas parce que moi, je suis une grosse dormeuse. Dans mon cas, un rhinocéros peut bien me souffler dessus, je ne le saurais pas. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui, allons bien, tu vas t'installer une bonne fois. Allons-y. Tellement gentil. Attends, viens m'aider, Luz Elvira. Viens, apporte ça dans la chambre. Oui, j'arrive, oui. Est-ce que ça ne devrait pas être dans une autre chambre qui ne serait pas la mienne? Je ne fais que demander. Je suis de très bonne compagnie. Mais Grichon, mais viens, demain matin tu te réveilles très tôt car personne ne vient te chercher. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous ressemblez à des gosses. Veuillez laisser votre message. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas avoué à mon fils que je suis en train de vivre avec quelqu'un, que je suis dans une relation. Parce que cet abruti t'a trahi, Sandra. Pour l'amour de Dieu, de quoi est-ce que je te demande juste si tu es vraiment convaincue que cette relation est aussi importante. Marcella, tu crois que je vais passer toute ma vie à réfléchir à ce qui va m'arriver de bien dans le futur? Non, tout ce que je veux, c'est vivre dans le présent. Justement, tu vois, ce présent deviendra compliqué parce que tu es avec un garçon qui est 2 fois plus jeune que toi. Justement, ce dont j'ai besoin, il faut de l'énergie. Il me faut de l'énergie, d'un homme attirant, d'un homme avec lequel je pourrais danser, sauter, vivre une passion. Je vois très clairement, et celui dont j'ai besoin, je sais parfaitement bien que Ravière est une personne irresponsable et sans avenir, mais il est une personne si gentille, tu sais, une personne avec laquelle je me sens tellement bien, qui me fait me sentir aimé et désiré tout le temps. Cher professeur, pour répondre à votre question, je vous dirais que je m'intéresse à la neuropsychiatrie. C'est le fruit de ma conviction qu'il n'y a pas de machine plus surprenante et énigmatique au monde que celle du cerveau. Mon obsession est de savoir comment il fonctionne, comment et où nous gardons toutes nos pensées et pourquoi. Où est-ce que nous cachons nos sentiments et comment nous construisons tous nos rêves. Hier, j'ai été admis à l'université et je suis très heureux. J'ai décidé de me présenter sous un autre nom. Parce que je ne voulais pas qu'on m'accepte simplement parce que je porte le nom de mon papa, qui fait partie du conseil d'administration. Je sais parfaitement bien que les hommes qui valent la peine aujourd'hui, les travailleurs, les responsables, ceux qui voudront bien se marier, très sincèrement, n'existe pas. Impossible, il doit bien en exister, il doit bien y avoir. Non, je te le dis, moi, j'ai été sur ce marché-là et laisse-moi te dire que c'est assez compliqué pour des femmes comme toi et moi, de notre âge, parce que tu sais pourquoi? Les hommes qui en valent vraiment la peine sont soit mariés, soit gays, ou ils courent derrière celles qui ont 20 ans. Je me suis mise à penser. Mariée, je l'ai été. Des enfants, j'en ai déjà. Un mari pour mes besoins, je n'en veux pas. Ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un comme Ravière. Une personne avec qui je pourrais tout partager, avec qui je pourrais être heureuse, avec qui je pourrais danser, et avoir du sexe torride. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Avoir du sexe torride, c'est aussi simple que ça. Oui. Non, pas le bonheur. Qu'est-ce que je peux te dire? Donne-moi un autre whisky. C'est ce dont j'ai besoin. Simplement du sexe, simplement du sexe, juste des relations sexuelles. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Cher professeur, hier j'ai rencontré l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais vu dans ma vie. Bien sûr qu'il s'agit d'une femme. Elle s'appelle Sofia Lopez et elle étudie avec moi. Elle n'est pas seulement la femme la plus intelligente que j'ai rencontrée. De plus, elle partage la même obsession pour comprendre pourquoi le cerveau se détériore. Bien sûr, elle est aussi très belle. Et je pense que d'après le ton que j'ai employé, elle a sûrement compris que je suis amoureux. Macarena, mais réponds au téléphone, c'est Petit Poney qui veut te parler. Je te le dis pour la énième fois. Tu ne peux pas ainsi tout à coup décider d'aller dormir dans la maison de n'importe quel étranger. Hein? Avec qui tu es? Avec ton petit docteur, je parie. Tu es une femme mariée. Ça suppose que tu dois être décente, c'est ce qu'on pense Petit Poney. Et là, je suis fatiguée, Macarena. Vous avez dépassé la limite de message. Merci. Petit Poney. Petit Poney. Et hop, quoi. Écoute-moi attentivement. Écoute ce que j'ai à te dire, Petit Poney. Et l'appel, c'est pourquoi? L'appel, c'est pourquoi, Juan Jhon. Ne me dites pas que vous non plus, vous ne pouviez pas dormir. Non. Ah. Est-ce que mon lit est très dur? Non, ce n'est pas ça, c'est la chaleur. Il fait vraiment très chaud. Oui, je ressens la même chose. Oui, en plus je me sens plutôt bizarre, c'est vrai. Ici, non. Dormir dans votre chambre, dans votre lit. Et pourquoi? Je n'en ai aucune idée, ça doit être la chaleur. Ou j'ai peut-être de la fièvre, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est de la fièvre? Non? Non, non, je ne crois pas. Ou c'est peut-être la fièvre interne? Ah, ça, j'en doute vraiment. Oui? Oui. Je ne sais pas, mais je me sens vraiment bizarre, je vous assure. Si vous voulez, je peux vous examiner. Non. Non, merci. Je ferai mieux. C'est mieux que j'aille dormir. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Oui. Merci. De rien. Docteur, je voulais vous dire... Asseyez-vous près de moi. Vous voulez me demander quelque chose? Non. Dites-moi vous d'abord ce que vous voulez me dire. Eh bien, ce n'est rien d'important. Oui? C'est au sujet de mes plans. Et qui est Sofia Lopez? Léo, laisse-moi partir. Tais-toi! Tais-toi! Je ne sais pas comment ni quand tu as fait ça. Mais ce que j'ai entendu très clairement, c'est que tu avais quelque chose à avoir avec le vol de l'argent de Macarena. Ah, Léo, je t'en prie. Mais qui t'a dit ça? Tais-toi! Écoute-moi attentivement. Je vais te surveiller. Je vais me coller à tes trousses et je te laisserai jamais te reposer. Jusqu'à la dernière minute de ta vie. Écoute Léo, s'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Tais-toi! Et sois reconnaissant que je n'ai rien raconté à Rosora. Parce qu'elle aurait pu tout raconter à Macarena. Aucune des deux ne mériterait que tu leur fasses du tort, tu me comprends? Tais-toi! Seulement 3 mois. Il ne reste plus que 3 mois pour que vive Macarena. Et je ne serai pas celui qui fera voir à quel point est misérable ce cher Petit Poney. Je préfère qu'elle meure heureuse. Pardonnez-moi mon audace, je vous prie, docteur. Je n'aurais jamais dû vous demander ça. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ça doit sûrement être la maladie. Parce qu'on devient imprudent et les connexions neurologiques... Oui, bien sûr, oui, ça doit être la maladie. Ça doit sûrement être ça, oui. Parce que non, ce n'est pas que j'ai fouillé dans vos affaires. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que j'étais dans votre chambre. J'ai trouvé quelque chose qui mentionnait ce nom-là. Et alors, je ne sais pas pourquoi en cet instant j'ai pu vous poser cette question, vous savez. Ce n'est pas que je m'en soucie. Non, pas du tout, non. Mais au contraire, je m'en moque complètement. Je n'ai pas à me préoccuper de votre passé parce que... Je l'imagine. Je dirais plutôt, je vais aller dormir. Attendez. Je vais vous expliquer avec joie qui elle était dans ma vie. Elle était quelqu'un de très importante? Oui. Comment vous dire? Pardon. C'est que mon oreille, l'attention, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Cela dit, pourquoi nous ne remettons pas cette conversation à une autre fois? Peut-être à jamais. C'est ça? D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Tenez. Non, ça va, je n'en ai pas besoin, merci. Non, vraiment, je ne comprends pas où tu as cette information. Je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça. Tais-toi! Écoute, s'il te plaît, mais il me fait pas mal. Oui, oui. Je vais continuer à te surveiller jusqu'à la dernière minute. Et je vais te donner un conseil. Trouve une solution à ce problème d'argent de l'assurance. Débrouille-toi. Tu m'as entendu? Oui. Et maintenant, tu veux savoir à quoi sert la petite pelle? Misérable. n'approchez pas, n'approchez pas, n'approchez pas, n'approchez pas. Macarena, c'est moi. Aïe. Vous dormez déjà? Macarena. Docteur? Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo